C'est une part de notre économie. Le soutien à la filière automobile sera massivement amplifié. C'est ce qu'écrit le président Emmanuel Macron sur Twitter avant ses annonces cet après-midi dans le Pas-de-Calais au secteur. Les ventes de voitures ont chuté de près de 90% pendant le confinement. Quel accès pour les plages cet été? Dans quelles conditions les cafés et restaurants rouvriront la semaine prochaine en zone verte, quid des lycées? On connaît la date de toutes ces annonces, ce sera après-demain, jeudi. La Commission nationale de l'informatique et des libertés ne s'oppose pas à l'application Stop Covid. Elle doit enrayer la propagation du coronavirus. Elle sera disponible ce week-end après le vote du Parlement. 16% des fumeurs quotidiens en moins en 16 ans. C'est le chiffre de la dernière étude de Santé publique France. Le nombre de fumeuses diminue aussi de 22 à 20%. Un maire élu dans une église hier, dans le Calvados, à Aimiéville. La mairie et la salle des fêtes trop étroite pour accueillir le conseil municipal tout en respectant les règles de distanciation sociale. France Info.